Eh hey, bonjour! Bienvenue sur Dragon Survival, nouvel épisode! Alors on enchaîne directement par rapport à la dernière fois. Alors qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait exploré un petit peu ce monde de glace, on avait fondé la théorie qui se valide au fur et à mesure qu'on progresse dans cette série, comme quoi les nouveaux mondes sont en fait des îlots suspendus dans les airs, en tout cas pour celui-ci. Alors on a vite fait le tour de cet îlot de glace, hein. Entre ce dragon, je suis d'ailleurs monté à son sommet, on peut voir avec ces petits blocs ici. Il n'y avait rien du tout parce que la dernière fois effectivement on avait cherché, mais mon frère m'a fait remarquer que je n'étais pas dans sa gueule mais juste en dessous. Ah voilà, je me suis fait avoir, et en réalité il n'y a absolument rien à l'intérieur de sa bouche à celui-ci, donc voilà, bon tant pis. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai continué à explorer et je suis donc descendu très rapidement. Je vous ai dit qu'on irait sonder les profondeurs inexplorables de ce monde en faisant très attention de ne pas tomber dans le vide intersidéral. Et j'ai trouvé quelque chose, alors ce quelque chose m'a fait revenir au moulin en off. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai fait au moulin? Voyez-vous, j'ai repris carrément tout le stack de départ. Vous l'aurez compris, on abandonne ce monde, on abandonne la maison. Je ne pensais pas avoir à partir aussi vite. Mon frère va déructer goulûment à côté de moi, ça fait très plaisir. Je ne pensais pas partir aussi vite de ce monde, donc j'aurais un peu construit cette maison, pas pour rien, mais pour un très court laps de temps. Étant donné que ce que j'ai trouvé en bas, vous l'aurez sûrement compris. Et... Bah là là là, vous allez voir. Alors, oui, je suis passé par là, ça se voit. Ouf. Attention, hein, pas faire l'idiot quand même. Et voilà, un portail juste là-bas. Et un poulet. Et non, en fait, c'est le poulet. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est ce poulet. Alors voilà. C'est ceci que nous trouvons là. Alors, je risque de mourir, hein, ça serait très idiot. Le portail. Il y en a un. Je vous l'avais dit, on l'avait dit, il y en a toujours dans le trou du cul. Il y a toujours des choses dans le trou du cul de cette map, hein, c'est ouf. Hein. Alors voilà, il est là. Celui-ci est équipé d'une structure, hein, c'est pas comme l'autre. Si jamais j'en avais pas trouvé, j'aurais de toute façon pris l'autre en sens inverse, vous le savez. Je vous l'ai expliqué déjà pas mal de fois. Alors celui-ci est assez chelou, j'ai l'impression qu'il brille en noir à l'intérieur ou qu'il n'est pas allumé. De toute façon, on s'en carre parce qu'on a récupéré dans un coffre un briquet récemment. Allez, on va faire attention de ne pas faire les idiots. En tombant. J'ai un peu la pression moi. Bah celui-ci n'est pas allumé. On va l'allumer, on va l'allumer. N'ayez crainte. Allez, c'est parti. Point point. Point point non, point. Point 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 point. Point point. Point point non, point point point. C'est bon, j'y suis. Tout se passe très bien. Voilà. Ah, oh là là, attention, c'est parsemé de trouilles. Attention, alors là. Là, faut pas merder. Surtout que c'est transparent. Ouh, je sens la traîtrise. Oh, les salauds. Quoi? Attendez. Non. Ce ne peut être vrai. Me dites pas ça. Putain, il manque deux blocs. What the fuck? Ils étaient dans les... Oh, dans les coffres que j'avais grillés la dernière fois, je les avais pas pris. Ils vont casser... Ils vont casser sur le portail... Oui, je vais faire ça, mais non, parce que j'aimerais conserver le portail. Mon frère me conseille d'aller casser les blocs d'Opsy sur le portail qui, le premier portail par lequel je suis arrivé. Sauf que si jamais celui-là ne m'emmène, enfin, me fait une connerie, ben, je serai nulle part, je serai coincé. Du coup, non, je préfère privilégier un... Non. Comment faire? Où j'avais laissé ces blocs? Dans quel coffre se trouvait-il? Comment je vais faire ça? Comment on va s'organiser, mesdames et messieurs? Attendez, peut-être que c'est juste une traîtrise, une fourberie sont en dessous en fait. Non, pas tout. Merde alors, putain, c'est pas sérieux. Il n'y en a pas là? Non, il n'y a rien. Évidemment. Écoutez, on va faire une ellipse temporelle jusqu'à temps que je retrouve, pardon, ces blocs. Et on va bien voir, ok? Allez, à tout de suite! Voilà, de retour les amis.
Alors j'étais parti donc à la recherche des cubes dans les coffres de retour hein, donc sur l'îlot paradisiaque. Et je n'ai rien trouvé, je n'ai pas trouvé les deux cubes d'obsidienne en fait, j'ai halluciné. Du coup j'étais reparti ici pour aller les péter comme l'avait voulu mon frère, comme l'avait conseillé mon frère sur le portail là-bas, donc je ne m'en servirai probablement plus. Avant que ce soit le seul qui amène ici, je n'en sais rien. Ça m'embête vachement, mais regardez ce que je trouve là en passant. Je tombe sur ça ici, tout à fait par hasard. Alors je me suis dit ouais super, ça va être une nouvelle exploration. Et bien c'est parti. Alors, on va faire ça. Ça, ça, voilà. Hop. On laisse couler l'eau. Et on va s'y diriger. Donc un bâtiment qui a l'air d'être fait tout en bois. Alors, ça peut être complètement la guerre. Hein. On va voir ce qui va se passer là-dedans. En tout cas, très sympathique. Ça nous fait tenir un petit peu plus longtemps dans ce petit monde. Allons-y. Ça a l'air d'être une grosse mine. Je vois des rails ici. Pas de spawner. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça se trouve c'est rien du tout. On dirait un ancien pont. Ça a la tête d'un ancien pont, un peu comme le premier qu'on a vu. En venant ici, mais là celui-là en plus badass et tout en bois. Alors, voyons cela. Ok. Ah, il y a des torches qui sont posées ici quand même. Hein. Évidemment, Gecko Frist nous viendrait la lumière. Des torches, symbole de passage humain dans les entrailles de la terre. Hop. Oula, bah dis donc, ça s'en va en dédale tout à fait badass. Ah oui, non mais là, grand chance qu'on se perde quoi. Ah, genre, oh là, des spawners. C'est quoi ça? Ah, c'est des spawners, putain, son père. Spawner d'araignée. Évidemment, ça aura pas été drôle sinon. On va faire attention. Ouf, ça a pas l'air de mener forcément en des pro lieux à un lieu très très. Ah si, peut-être là. Ça a l'air différent par ici. Ah non, c'est le même, ça rejoint ici. Non, ça a l'air de partir beaucoup plus loin par là-bas. Enfin de l'autre côté, mais là je vais checker par ici. En tout cas c'est énorme hein. On est donc dans un dédale de passage ici qui semble être une ancienne grosse voie ferrée, peut-être souterraine, peut-être signe d'une ancienne civilisation sur cette map des dragons. En tout cas, ça ne mène absolument à rien. Aucun coffre, rien du tout. Eh ben, écoutez. On va remonter. On va retrouver. Bon, quand on explore, on va retrouver le petit ascenseur à eau que j'avais fait. Pour pouvoir remonter. Et donc, aller pouvoir changer de passage. Alors. Un ancien réseau ferré, c'est ça. Alors, d'où viens-je? Aucune idée. C'est tellement grand en fait. Je m'attendais pas à ça du tout. Ah, peut-être que je viens de là. Là-bas, en face. Je me nourris. Non, je viens pas d'en face. Mais on peut sortir par en face. C'est pas dégueu, mais j'ai peur d'être un petit peu trop loin de l'objectif. On va donc continuer en revenant par là. Faut être prudent là. C'est là que je peux trouver la mort. Ce serait pas cool du tout. Oh là là, mais je suis totalement lost là. Ça paraît par là-bas, on continue par là. Ah, ici, donc c'est en bon état, il n'y a pas un trou. Ah, intéressant. Très intéressant.
Ok, ça mène dehors. Ça mène dehors, en tout cas c'est joli, c'est sympathique. Mais sachant que comme on en parlait la dernière fois, c'est la première trace de civilisation humaine. Ou même peut-être pas humaine, et ça intéresse, mais autre chose que des dragons. Alors à moins que les dragons aient besoin de construire des rails, enfin de faire des réseaux ferrés sous terre. On a découvert une autre trace de civilisation. Et ça c'est sympathique tout simplement pour le côté RP de la map, le côté roleplay. Mais aussi pour le côté des structures. Enfin ouais non, vous me direz n'importe quoi, il y a les structures qui ont peut-être été bâties, structures en pierre, un truc comme ça qu'on avait déjà eu plusieurs fois. Mais je veux dire là, vraiment là, on a des torches, on a vraiment plein de trucs. On a des rails. Vraiment c'est super bien fait. Très sympathique. Alors, il faut que je me repère de là où je suis. On va continuer tout droit. Montant par là, on devrait arriver quelque part. Ne serait-ce que repérer le dragon. Ah, il est là-bas. Voilà, donc le gros repère de cette map. En tout cas, j'espère que pour vous, ça va très bien. Comme d'habitude, hein, je pose la question. Que tout se passe mieux pour vous. Que tout se passe le mieux pour vous, voilà. Alors, le portail que vous avez emprunté est là-bas. Ça m'embête vraiment de péter, hein. Qu'on se le dise, si jamais l'autre marche pas en bas, qui nous envoie genre un truc vers fin du jeu, j'aurais clairement le seum. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait fin du game, hein, c'est impossible. Alors allons-y. Voilà, nous y sommes. Allez, on casse. Ah, c'est dur. Attendez. Attendez, j'ai une idée. Je viens d'avoir une idée. Une idée pas dégueulasse. Ah, attendez. Au lieu de le péter, ce que je peux faire, j'ai même pas pensé. Peut-être vous y avez pensé tout à l'heure. Ah, attendez. Tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Oh merde, par contre j'ai pas récupéré d'eau. Bon, on en a là. Super, c'est remis. Tant mieux. Non, par contre j'ai peur de ne pas en avoir assez. What? C'est pas censé faire de... Bon bah non, bah, ça marche pas. Tant pis, dommage, on aura essayé. Allons-y donc. Ah, ça m'embête. Mais on a peut-être pas le choix, il faut qu'on des fois prendre des risques. Évidemment, ça complique tout à fait le gameplay, hein, le fait qu'on arrive devant un portail et tout, et qu'on voit qu'il manque deux pierres d'obsidienne. L'obsidienne qui finalement, au début, n'était pas si rare que ça dans le tout premier monde, mais elle est absolument pas rare, parce que ce monde, hein, cette dimension était composée à 70% d'obsidienne. Je m'étais demandé avant de partir, avant de quitter le bivouac de la dernière fois, si ça valait le coup de prendre l'obsidienne sur soi. J'ai fait, ouais, non, privilégions un peu la place et tout. Eh bien, c'était l'erreur. J'aurais dû. Maintenant, je ne peux plus repartir par ici. Je ne peux que compter sur le destin et le lieu où va m'emmener ce portail. Alors, rappelons-nous de ne pas descendre n'importe où. C'est par là-bas. Hein. C'est quand même vachement fat. Hein. Vachement grand aussi, putain. Ouais, bon, je vais pas aller dessous. Hein. Ça peut être des dédales à l'infini. Ok, on va descendre donc par là. Ah, j'ai plus d'eau! Mais c'est ouf ça! Ah non, si, c'est ça, j'ai pas. Ah oui, du coup, j'ai plus de lave. C'est ça le truc. Ok, j'ai de l'eau. Petit coup de pression. Ok, c'est là qu'il faut faire attention. Allons-y! On rejoint le portail, on pose les deux cubes. On allume. Et bizarrement, j'ai l'impression que quand c'est ça, quand c'est nous qui le faisons, ça va nous emmener vers le Nether. Je suis quasiment certain qu'on va se retrouver dans le Nether. J'aimerais beaucoup me retrouver dans la dimension bonus ou la dimension mécanique. Ça ferait beaucoup, ça serait vraiment super.
Mais j'ai très peur de me retrouver à nouveau dans le Nether, de ne pas pouvoir ressortir. Et habiter dans le Nether, clairement, c'est pas faisable. J'avais oublié qu'ici c'était parsemé de trop eu. Allez, on les pose. Tac, tac, on mange pour le suspense. Et on allume. Alors, mon briquet qui se trouve ici. Et voilà, mesdames et messieurs, le portail est allumé. Où va-t-il nous mener? Je n'en sais rien. Et ce sera dans le prochain épisode. Non, pas du tout. On va le faire maintenant, vous en faites pas. Ok. So here we go again. Adieu, pas le Nether, s'il vous plaît. Téléchargement du terrain. Ouais, le Nether, c'est super. Souvenez-vous. Ah non, 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 non. Ce portail, on l'avait déjà emprunté une première fois. Enfin, on avait emprunté un autre portail que nous avions emmené ici. Souvenez-vous. Et au bout, ça met donc dans le Nether. Hein, on s'en souvient. Sauf que tout est lié, mesdames et messieurs. Et là, il y a de l'obsidienne, là. Putain. Non, elle est impétable. Ok. On peut pas tricher. Vous voyez ici, vous en êtes dans le monde du Nether. On se souvient, voilà. Donc, hein, avec une forteresse là-bas. Mais forteresse, j'avais déjà faite dans des épisodes. J'avais déjà fait une, donc on va pas en faire une deuxième. Et ici, il y avait un portail qu'on n'avait pas pu allumer parce que je n'avais pas de briquet. Maintenant, c'est différent. Ah non, c'est pas d'obsidienne, c'est de la... D'accord. Maintenant on peut l'allumer et on va donc pouvoir à nouveau prier pour retomber sur un nouveau monde. Allons-y. YOLO. Téléchargement du terrain. Allons-y. Un poulet. OMG, on est revenu. On est revenu au monde principal. What's up, Death? Souvenez-vous, nous sommes revenus ici. Et en fait, je crois que ça, c'est le Mechanic World. Enfin, je vais me renseigner, mesdames et messieurs. Écoutez, on va se laisser. Ce sera un épisode assez court, je m'en excuse. Mais pour moi, il aurait été très très long. J'aurais fait des tonnes, des tas d'allers-retours. On va se retrouver dans le prochain épisode. On va essayer de faire une mise au point un petit peu. Parce que là, je vous avoue que je suis un petit peu perdu entre tous ces événements, tous ces passages d'une dimension à l'autre. Me laisse un petit peu perplexe. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Dragon Survival. À très bientôt sur la chaîne Kekofruit pour de nouvelles vidéos, de nouvelles maps Minecraft, tout un tas de choses diverses et variées. Bisous à tous, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, voilà, et un petit pouce bleu. Et juste pour l'honneur de ce petit fessier de poulet, je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, bye.